Ah bah ça a l'air de puer la merde fois 1000. Donne ton arme. J'en ferai bon usage, promis. Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. J'aimerais bien sauvegarder ici par contre. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Elles ont combien de temps de décalage et sauvegarde? Tu es tous avec ton flingue. Oui, bien sûr. Comme ça, je fais coucou. Ouais, bah là, j'ai failli faire coucou, là. Ah, je dois peut-être sélectionner les bouteilles. D'accord, ok. C'est bien ça qu'on peut stocker les bouteilles. Avant, on pouvait pas. Il s'en bat les couilles. Bah, si, ils s'en battent les couilles. On va tenter. Bon bah moi faut que je m'en aille, je reviendrai pas, je te laisse tranquille. T'es sérieux? Ouais, faut que j'aille écouter un film. Que t'ailles écouter un film? Ouais. Et je te fais un film là. Bah non. C'est de la merde. Oh tu pas les couilles, t'as pas les couilles. T'as serré. Au revoir. Bye bye. Adieu. Adieu, vos vaches. Allez, les bouteilles, je pense que tu peux les tirer sur les zombies pour les tuer. Oui. Oh oui. C'est plutôt pour dire je suis par ici, connard. Thank you.
Du coup, qu'il n'y a plus Yeti, je stresse encore plus. À la prochaine sauvegarde, j'arrête. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Le protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez ! Où je tire ! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Ah bah tiens. J'avais dit j'arrêtais à la prochaine sauvegarde. Moi, c'est O'Neill. Liam, O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance, alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui, Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Vous étiez 5 dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit Étier ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez. Je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Il en manque 2. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde.
Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas, je m'en fous. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Non, je peux, j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous montrer. Parce que je préfère regarder ton truc que le film. Faites gaffe. Ah, bâtard. L'endroit de ces choses. C'est toi qui m'as demandé de rester. Ouais, mais du coup, j'avais dit j'arrête à la prochaine sauvegarde. Je viens de trouver une sauvegarde. Du coup, bah, je vais continuer quand même, hein. Okay. Je vais. Bah, c'est pas grave, je peux retourner à mon film. Non, non, t'inquiète, ça va aller, ça va le faire. Quels ravitaillements? T'as peu de secondes. Oh, mais c'est Noël ici. Mais c'est Noël. Après, j'ai pas de pièces détachées. On va dire que c'est à demi-Noël. Ah non, c'est Noël. 15. 25. Est-ce que tu peux me faire un petit récapitulatif rapide de ce que j'ai manqué ou non? Bah en gros, il y a un garde qui s'est fait déchirer et je suis avec un autre dans la planque. Ok, donc là t'as trouvé une planque genre avec toutes les genres de gardes, ce truc là. C'est ça. Une cafetière. Mais en fait, eux ils sont venus dans la machine, eux. Oui. Pour essayer de réparer le noyau. En fait, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi cette machine là parce que. Oh, nice. Ça détend. Ah, faudrait que je regarde le début, faut que je comprenne. Oh, le cafetière, ça rend full life. Oh, c'est bon ça. Je me suis retourné dans une machine avec des guns, avec des armes. Oui, parce qu'ils savent que c'est dangereux. Oui, mais est-ce que... Les personnes qui sont des zombies, soit c'est des gens qui sont arrivés dans ma chaîne. Bah en fait, si tu veux, dans le premier déjà, il y avait. C'est une machine qui tourne les gens en zombies et qui et dont le but est de détruire le monde. Au début, c'était pour faire quoi la machine? C'était pour genre faire un monde meilleur? En gros, ouais. Et donc je vais te relaisser. Je vais regarder encore un petit peu. Sinon je manque Pirates des Caraïbes, le dernier qui est sorti. Hein. J'ai vu. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'avais beaucoup aimé?